J'ai donné rendez-vous à l'enfance que l'on n'entend jamais, parce qu'on ne lui donne jamais la parole. J'ai donné rendez-vous à la France qui affronte les difficultés de la vie sans jamais rien demander, parce qu'elle a trop de fierté. J'ai donné rendez-vous à la France qui souffre sans jamais se plaindre, parce qu'elle a trop de pudeur. J'ai donné rendez-vous à la France qui ne proteste pas, à la France qui ne casse pas, et à la France qui en a assez que l'on parle en son nom avec des idées qui ne sont pas les siennes. Dressez-vous, prenez la parole, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous voulez pour votre pays. Surmonter les épreuves qui l'ont déchiré et qui ont fait couler tant de sang et de larmes. Les cœurs des dizaines de milliers de Français qui se trouvent rassemblés sur cette place battent à l'unisson des cœurs des millions de Français. Eh bien la vague immense qui submerge aujourd'hui le cœur de Paris porte cette idée de la France comme une irrésistible espérance. Vous êtes la France. Je me suis engagé au service de la France. J'ai fait une longue route, celle-là même qui m'a mené jusqu'à vous, jusqu'à la dernière minute de cette campagne. J'irai à votre rencontre, chaque minute, chaque seconde, pour convaincre, pour parler de la France, pour soulever le peuple de France. Peuple de France, entends mon appel. Française, Français, aidez-moi! Aidez-moi! La France de Victor Hugo et du général de Gaulle. La France qui regarde vers l'avenir. La France qui choisit le progrès. La France qui veut se mettre au service de toute l'humanité. Cette France, c'est votre France.